Salut à vous les amis, on est parti. Petite game en off-roll, enfin en autofill même. Sur la voie du haut, on a sorti le tronc pour l'occasion. On joue contre Yorick. Oh, ça a été, il y a eu de l'investissement hein, sur ce kill. Oui, oui, en flash en vrai, c'est tout. Passer de Mokai, meilleure sensation d'auto-attaque. Ah, en vrai, c'est vous que c'est plaisant. C'est pour ça qu'il faut jouer avec Derin attack speed sur Mokai. Après, je sais qu'il y a des gens qui jouent Aftershock sur Mokai, mais je sais pas, je trouve grave tellement bien. Je check si c'est invade pas là. Bon, il faut que je fasse gaffe, Yorick, c'est vraiment pas un match facile, je l'ai pas beaucoup joué en plus. Donc, je peux vraiment me faire surprendre par les dégâts. Et j'ai vraiment très très peu d'infos sur le match-up en lui-même. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lane contre un Yorick en tant que Mokai. Et du coup, je sais pas vraiment. En fait, je sais pas à quel point je peux me faire bait et tout, tu vois. Je peux setup un gank en fait pour Exile. Hein. Il est level 3. Ah, laissez-moi sortir de cette cage. Ok, je peux swing TP. Ok, quel bordel. Il a fait un grand tour quand même avec sa Nidalee. Ok, on a eu le flash, c'est bien. Là, il est dans une position inconfortable. Ok, on a prêt even en termes de farming. Enfin, de farming d'XP, pardon. 16, je lui mets du creep. C'est très rare que je sois devant en farm aussi avec Mokai d'ailleurs. Ouais, j'aimerais bien pousser ça s'il peut m'aider en speed. Alors je sais que ça lui fait perdre du temps quand même, mais ça lui donne de l'XP donc il peut taxer un peu. Moi ça me dérange pas, hein. Je suis un top laner gentil. Hein. Un solo kill encore, du coup je vous en avais parlé. Hein. Voilà, systématique toutes les games. Hop, on va prendre un petit peu d'armure. J'aurais bien aimé acheter des petites bottines, mais on va chercher de l'armure plutôt. Pour le moment ça se passe plutôt bien. 100% de kill participation sur la voie du haut. Oh là là, bien joué. On me fait mentir directement. Good job bot lane, on répond à la positivité sur la faille. D'après Gif, dès qu'on dit good job à ses mates, on devient immédiatement la pute de la game. Ah, peut-être pour ça qu'il est stack des deux. Hein. Bon, allez. Oh, c'est invade, c'est invade. Oh, c'est la merde, on a rien à faire. Hein. Elle a utilisé son truc là, je crois qu'il me fume en fait. Je crois que là, il faut que je fuis absolument le fight là. Ah. Ok. Au secours! Elle est pas morte vraiment. Merci mon frère. Il est venu m'aider, c'est un vrai frérot. Oh sa vierge là, elle veut pas partir un peu. Je vais pas TP, je reviens à pied. J'ai ma cape solaire, je vais brûler ces trucs là. J'ai pas besoin d'attendre toutes nos manas, c'est pour petit aussi de jouer mana flow. Si vous avez un peu plus de mana. Du coup j'ai 250 points de mana supplémentaires. Donc là typiquement, normalement je devrais m'arrêter maintenant. Maintenant, en termes de stacking de mana. C'est chiant en fait, je peux le fight ou pas? C'est super frustrant en fait comme lane. Et là il invoque son pet de mort là et j'ai l'impression que je peux rien faire. Poc la vierge, mais gros, je lui envoie un E, ça fait 35 genre. Allez 55. Allez, plus que 7 arbrisseaux. Ouais. Ah merde, ça commence à troller un peu dans ma teams. Peut-être que je prenne de la. En vrai, je vais peut-être prendre le truc anti-heal là, comment ça s'appelle. Ça là. Bumble Vest. Ouais, tu vas mourir. Voilà. J'espère que le CD commence que maintenant. Hein. Quel tronc tu as là, Wax? Ouais, mais c'est chiant. En fait, c'est mon counter, gros. J'ai un gros tronc et il met une vierge devant moi et je peux plus rien faire. C'est quand même super frustrant. Très bon flash à. Je suis tout colère maintenant. Je vais prendre la tour au pire. Ok, okay, good job. Tant pis, hein, je perds un top. Je vais hit mid. Pire, je TP sur la T2. J'espère juste que je pourrais la prendre. Ça a combien de CD le démolish? Pas affiché le CD du spell. Faut vraiment la prendre cette T1. Après, c'est bien, j'ai pris un deuxième proc démolish.
je pense pas qu'il aurait la range. Pour me hit. 399. Ah oui, il court si vite. Ah oui, mais j'ai les bots rang 1. Ah, c'est pour ça, my bad. J'aurais dû flash. J'aurais dû mettre un flash out. Ses potes. Ah what? Cassez-vous. Pourquoi il y a toute sa famille avec lui? Moi j'étais là parti pour faire un 1v1 comme un homme. Oula. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça pique. Trop chiant ce perso là. En fait, là, si je commence à le fight, qu'il invoque sa vierge et qu'il me run down jusqu'à la T2, je suis mort, hein, je pense. Mais tape, qu'est-ce qui lui arrive à mon perso? Je voulais plus auto-attaque. Oh. Le tilt commence à arriver. Ok, je push en speed, je peux pas lui laisser le raid en fait. Donc quand c'est le Nash, on peut être Gonash en vrai, hein. J'arrive. Il doit avoir sa TP à mon avis, Yorick. Hein. Qu'est-ce qu'il fallait aller attraper là? Voilà, merci, j'ai dit à Pekin qui veut le flank. Attention quand même, Rek'Sai. Ok, good job. Si on peut avoir le Drake Mountain, en vrai, ça me mettrait trop bien, moi. Il y a plus de TP en plus sur lui, c'est parfait. Il va se faire croquer, hein. Je sais pas si tu sais comment fonctionne. Ok, j'ai rien dit. C'est bien, ça c'est bien. Ouais, commence à avoir un peu de choses qui se passent pas trop mal là. Yes, aïe. Oh, le stunt. Le hooks. Le Z. Pas plus de Z. Je bug, j'ai mon visage pi. Je pense que je vais prendre l'anti-heal là maintenant. Ça va pas être des masses utiles pour le heal de Nida et tout, parce que bah y a pas beaucoup de monde qui va m'auto-attaque, mais. Je vais se faire le petit là. En ta vie, je vais la fumer là. Elle est morte, hein, elle est morte, allez casse-toi maintenant. C'est vraiment en gros top lane contre Yorick. C'est une vie. Elle est nulle en fait, hein. Moi que c'est tellement vénère, mais c'est trop frustrant en fait. Depuis le début de la game, j'ai envie de le frapper. Depuis le début de la game, il est là, il a son Pokémon avec lui. Je peux rien faire. Il invoque Articodin et... Je suis là et je peux rien faire. Si je le fight, je meurs. Du coup, je suis obligé de le regarder faire sa vie. Ah, le hook là, ça va faire mal. Oh, le cancel. Oh là 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 là. Allez, on va Nash maintenant. J'ai 15 coups de tour. Allez! Ça, c'est du DPS. Ok, on va faire ça. Il y a un Drake de feu, soon. Si on peut l'avoir, en vrai, celui-là, on se met bien parce qu'il ne manquera plus qu'un seul Drake pour avoir l'âme. Et l'âme du Drake de feu, je pense que je fume Yorick avec. TP direct, ça devrait empêcher. J'arrive, là je les run down. Hein. Ça me tue gros de jouer Maokai. Vraiment, je m'entends dans la situation, ça me tue. Je cours sur deux personnes sous tour. Je suis même pas de sort, genre je cours à côté d'eux et tout. Voilà, elle est gagnée cette game. Bon bah GG, j'ai pas fait grand chose mais. Mais je fais mon taf d'autofill, je pense, c'était ok. Je jouais top lane quoi. Bon bah bon, la petite game de Maokai. Bisous, pouce bleu, à la prochaine, portez-vous bien et tout.